Débutons ce journal avec cette page rose du président du mouvement de libération du Congo, Jean-Pierre Bemba Gombo, qui a totalisé ce jeudi 4 novembre 59 ans d'âge. La rédaction de CCTV Halik souhaite un heureux anniversaire à son promoteur. Puisse l'Éternel lui accorder encore plus d'années sur terre. À ce sujet, Émile Mouyaya, Gisèle Etoko et Moron Djambé nous proposent ce papier. Suivez. Le président du mouvement de libération du Congo, Jean-Pierre Bemba Gombo, est né le 4 novembre 1962 à Bokata, dans la province du sud du Bangui. Il totalise ce 4 novembre 2021 59 ans d'âge. Une année de plus dans la vie de ces grands hommes politiques qui comptent beaucoup pour la République démocratique du Congo. C'est donc un jour important. Les agents de CCTV Ralik souhaitent un heureux anniversaire à son promoteur. Puisse l'Éternel lui accorder encore plusieurs années sur terre. Joyeux anniversaire, accepté de bon cœur, mes vœux les plus sincères de joie et de bonheur. Le 4 novembre, une journée exceptionnelle également pour les bembistes. René Bonganga, président des bembistes, loue le parcours et le jeu du chairman du MLC. Merci d'avoir donné un et nous nous battons de toutes les façons pour qu'un jour il devienne président de la République, parce que nous sommes convaincus à sa vision, à sa manière de faire les choses. Je remercie aussi Dieu pour qu'il ajoute encore beaucoup de vie pour que notre projet commun arrive au bout. Voilà, dans une première question, c'est une bonne première question. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, a regagné Kinshasa ce jeudi 4 novembre 2021. C'est un accueil chaleureux qui lui a été réservé à l'aéroport jusqu'à l'entrée de sa résidence. Des militants des partis politiques membres de l'Union sacrée avaient envahi les artères de la capitale pour l'ovationner. Reportage Gisèle Etoko et Dedi Mujinga. Les grandes artères de la capitale étaient bondées de monde. Les militants des partis politiques membres de l'Union sacrée se sont mobilisés pour accueillir le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, de retour au pays après son séjour en Israël, en Italie pour le G20 et en Écosse où il a pris part au COP26. C'est donc une ambiance de joie qui a régné dans le chef de ses militants. Parmi les partis politiques en ligne de mire pour cette mobilisation, l'AFDC de Modeste Bahati, où la mobilisation au niveau de l'avenue de Libération a été signée Yvon Yanga, cadre de ce parti politique. Que son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avait effectué un voyage important dans les cadres politiques et diplomatiques afin de relever le défi qui était comme objet de l'embûche depuis le décennie. Ceci étant, en tant que père de la nation, nous, les compatriotes congolais, conjointement avec les partis politiques, nous sommes décidés de venir aujourd'hui, jeudi, le 4 novembre 2021, pour accueillir le président de la République. Tous, nous devrions être derrière le chef de l'État. Et je pense bien que les ennemis du peuple sont en train de rêver. Il pense que tous les voyages que le chef de l'État effectue, c'est pour rien. Non, il effectue les voyages dans plusieurs secteurs afin de relever le défi du pays. Quelques militants n'ont pas caché leurs sentiments. Je suis président de la président Fatia Zagi Libanda. Tout le monde est là.
Bara abiso na sima. Kotika biso te biso to da sima na yo. Solo basi ya basoda. Toye. Sereni likambo ezali abinga basa basoda to tele menaye to simba ye. En manifestation kaka ya président de la République démocratie du Congo. Abengi si biso bana na ye to ya to tala ndenga za koya. Ya mwana biso bana to vite to ya kaka to taka papa. Oya. Toya to betika mama boko. Mais tu es à travers le cordon Yvan, à savoir mettre à Foucaille, à Simbi, Nino, FDC, à Simbi, on a mal à l'eau, on a gérant. Les militants et sympathisants du Cercle des Rénovateurs Intègres du Congo, conduits par leur secrétaire général en charge de la communication William Ikolo Kumu, ont également réservé un accueil chaleureux au président de la République. Pour William Ikolo, cet accueil est une démonstration de force des membres de l'Union sacrée. Du côté de la Mouka, le pays ne peut pas s'arrêter pour un simple retour du chef de l'État. Nadine Tchotchigombo et Bob Nzamba nous en parlent. Pour Willy Ikolo Kumu, secrétaire général du parti Cercle des réformateurs intègres du Congo présent à l'aéroport, cet accueil chaleureux réservé au président de la République Félix Tshisekedi est une démonstration de force face à l'opposition qui croit avoir le monopole de la population. Willy Ikolo salue par ailleurs les conclusions de la conférence sur le climat où le président de la République a présenté la RDC comme pays solution face au dérèglement climatique. Le président n'est effectivement pas son premier voyage, mais celui-ci est assez exceptionnel. Le président a pu bénéficier aujourd'hui d'un accueil extrêmement chaleureux, je dirais historique à plusieurs égards. D'abord parce que la plupart des partis étaient représentés, ceux de l'Union sacrée. Mais j'ai vu aussi des associations, des mouvements citoyens et même une liesse populaire se lever spontanément pour accueillir le chef de l'État. À croire que le chef de l'État était acculé par certains groupes, disons-le, de l'opposition. Et ceci est une réponse, je dirais, spontanée, qui a pu rapporter la démonstration que le peuple congolais tout entier est derrière le président de la République. En tout cas, comme vous avez pu le voir, les Kinois lui ont témoigné un grand, grand soutien. Je pense que la démonstration a été à rapporter que le peuple congolais, en tout cas ici à Kinshasa, les artères ont été bouchées. Les gens se sont amassés tout le long des artères qui mènent jusqu'à l'aéroport. C'est dire combien on a accepté de brûler sous le soleil, parfois la gorge sèche et le ventre creux, uniquement pour témoigner au président notre soutien. Le parti CRIC, c'est une des choses qui nous a fait sortir. C'est que aujourd'hui, notre pays est reconnu comme étant la solution aux problèmes environnementaux. Notre pays est reconnu comme une puissance verte. Et ça, c'est extrêmement important parce que vous savez, le Congo, la République démocratique du Congo, nous avons le bassin du Congo, nous avons toute une série d'atouts au niveau écologique, au niveau environnemental, qui nous conduit tout droit vers cette place de première puissance ou disons de deuxième puissance environnementale mondiale. Du côté de l'opposition, on pense que le pays ne peut pas s'arrêter pour un simple retour du président. Non, je pense que peut-être qu'il n'y a pas beaucoup à faire pour le pays. Et on n'est pas loin de l'instauration d'un parti État. Mais parce que le peuple est déterminé, je pense que ce projet-là ne passera pas. Il a ses sympathisants, ils peuvent bien aller, mais jusqu'à demander à la représentation nationale d'y aller, selon ce que nous avons suivi par voie des réseaux. Si cela se justifiait, je pense qu'on est descendu trop bas. Mais nous disons que le pays va très mal, très 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 mal. Vous avez suivi hier, il y avait encore une incursion à Bukavu. Tout ça prouve que le peuple en a très mal et qu'il faut trouver des solutions pour ce peuple. Autre chose, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a visité le stand de la RDC érigé à Glasgow, en Écosse, dans le cadre de la COP26. Autre détail dans cet élément.
Les travaux de la COP26 se poursuivent à Glasgow, en Écosse, au Royaume-Uni. La journée de mercredi 3 novembre était consacrée à la question des finances climatiques. Le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi, a mis à profit cette journée pour visiter le stand de la RDC érigé par le ministère de l'Environnement et Développement Durable dans le cadre de ses assises. Il a été conduit dans cette visite guidée par la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement Durable, Eve Bazaïbama. Soudi, c'est là avant de prendre son avion pour retourner au Congo. Et l'idée, c'est de pousser l'international à comprendre qu'il faut verser, il faut donner les moyens à la RDC. Et ça, c'est un outil de vulgarisation, de sensibilisation et d'éducation. Il faut noter que la RDC compte recevoir un appui financier pour la préservation de la forêt du bassin du Congo qui contribue énormément à la lutte contre le réchauffement climatique de la planète. Quelques heures après la participation du chef de l'État à la 26e conférence sur le climat, présentant la RDC comme pays solution face à la crise climatique mondiale, les réactions fusent de partout. Jean-Marie Béa, expert en environnement, salue la diplomatie menée par le chef de l'État en cette matière. Ses propos sont recueillis par Nadine Tchotchigombo et Héritier Toubilandou. La République démocratique du Congo s'est présentée à la conférence sur le climat en Écosse comme pays solution à la crise climatique mondiale, une position qui a réjoui plus d'un expert environnementaliste congolais, à l'instar de Jean-Marie Béa, qui salue la diplomatie menée par le chef de l'État congolais sur cette question capable de générer plus de 180 milliards de dollars en République démocratique du Congo. Pour ce faire, il faudrait l'implication de tous les dirigeants et dirigés, notamment les communautés locales. En fait, cette prise de position, c'est une position toute naturelle. Il faut savoir que le monde a deux poumons, donc la forêt amazonienne et la forêt équatoriale, donc la forêt que le Congo recouvre au moins deux tiers de cette forêt. Jadis, nous avons céder notre place à d'autres pays comme le Gabon et comme tant d'autres, nous ne répondions pas à cet événement qui est un événement de survie de la planète. Et maintenant que la diplomatie est maintenant avec l'implication du président qui a su comprendre, qui a pu comprendre l'importance de la chose, et nous avons répondu pour la survie de la planète tout entière. Et le Congo est reconnu comme tel. Bien que je dirais que la demande est encore peu suffisante, mais quand même il y a ce chemin qui est tracé, parce qu'en réalité les pays occidentaux et la Banque mondiale nous doivent au moins 1800 milliards de dollars. Donc chaque année, comparativement aux 5 milliards qui nous ont été réservés pour tous les pays africains, mais en réalité, c'est 1800 milliards, je pèse bien mes mots, 1800 milliards de dollars qui doivent pour la République démocratique du Congo. Mais que, bon, comme on voit que le chemin est ouvert, et il y aura lieu, c'est l'avenir même de la République. Parce qu'avec 1800 milliards, imaginez-vous tout ce qu'on peut faire, les constructions des routes, etc. Et ça contribue aussi à combattre et le chômage et tout le reste, à développer notre pays. Je salue donc la clairvoyance du président Félix dans ce sens-là. Et puis la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, a organisé ce jeudi un atelier de formation et de sensibilisation à l'intention des acteurs publics et privés, placé sous le thème « Lutte contre la corruption et les droits de l'homme ». Le Salon Rouge du ministère des Affaires étrangères a servi de cadre à cette activité. Le point avec Maxime Makaboum et Dadi Kousaka. Cet atelier de formation organisé ce jeudi 4 novembre par la Commission nationale des droits de l'homme CNDH à l'intention des acteurs publics et privés placés sous le thème « Lutte contre la corruption et les droits de l'homme » s'inscrit dans l'objectif d'outiller les acteurs publics et privés sur les éléments essentiels de lutte contre la corruption afin que ces derniers abandonnent les pratiques de corruption. Maître Mwamba Mushikonki Mwamouz est président de cette institution d'appui à la démocratie.
contre la corruption et les droits de l'homme. Nous avons constaté que, avant, selon toute théorie avérée, la corruption était focalisée dans les droits économiques, sociaux et culturels. Nous avons trouvé au fil du temps que la corruption n'est plus un phénomène par rapport aux droits civils et politiques. La corruption maintenant traverse toutes les générations des droits de l'homme. C'est-à-dire qu'il y a une négation au respect des droits civils et politiques, respect des droits économiques, sociaux, culturels, respect des droits collectifs, respect des droits catégoriels. C'est ce qui a fait qu'on puisse élaborer un programme pour sensibiliser tous les acteurs qui vulgarisent les droits de l'homme, surtout à travers les phénomènes de lutte contre la corruption. Aujourd'hui, nous sommes avec les représentants des entreprises publiques et privées et aussi d'autres acteurs du secteur public pour les sensibiliser afin d'abandonner les mauvaises pratiques en rapport avec la lutte contre la corruption. Et le lendemain, ou je peux dire la semaine prochaine, nous serons aussi, vous serez invités pour qu'on puisse sensibiliser cette fois-ci tous les représentants des ministères publics, ministères publics, c'est-à-dire des parquets, et aussi les représentants des ministères du gouvernement, c'est-à-dire des membres des cabinets et aussi des secrétariats généraux des différents ministères du gouvernement. La CNDH va donc en campagne pour zéro cas de violation des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Ancien conseiller en matière de lutte contre la corruption du président honoraire, Joseph Kabila, maître Luzolo Bambi, est monté au créneau en vue d'éclairer l'opinion congolaise sur le rapport qui existe entre la corruption et l'état de siège décrété par le chef de l'État. Ce dernier, qui parle d'une décision salutaire de lutte contre la corruption, estime par ailleurs que l'état de siège permet de freiner l'hémorragie criminelle. Il s'est exprimé une fois de plus au micro de Maxime Makabou et d'Adi Kusaka. Je ne sais pas qu'il puisse réagir par rapport à ça. J'ai affirmé il y a quelques temps que l'état de siège est aussi une réponse contre la corruption. La relation entre l'état de siège et la corruption est simple. C'est que l'état de siège a été décrété pour freiner une sorte d'hémorragie criminelle dans le mal perpétré par les groupes armés avec la complicité de certains compatriotes. N'entrons pas dans le politique, mais regardons l'espace Est dans le prisme de la corruption. Tout le monde sait combien le phénomène du pillage des ressources naturelles est fréquent et récurrent dans ces secteurs-là. Depuis fort longtemps, il y a eu combien de rapports? Rapports du panel d'experts des Nations Unies par rapport au pillage des ressources. On ne regarde même pas la question des violations particulières des droits humains. Voilà pourquoi, sur ce point de principe d'État, la décision de l'état de siège est une décision salutaire par rapport à la lutte contre la corruption. Maintenant, décider de l'arrêter ou de ne pas l'arrêter, ça ne me revient pas d'y décider. Mais en tant qu'expert et dans l'approche de l'état de droit, je considère que si on arrête l'état de siège, l'alternative sera la mise en place des mesures de justice transitionnelle. Alors non pas dans la forme sélective comme actuellement c'est fait avec les fonds d'indemnisation, mais avec une approche holistique. C'est-à-dire une approche qui interviendra d'abord les poursuites judiciaires, parce qu'il y a eu des violations graves des droits de l'homme, on s'est compris le rapport Mapping d'ailleurs. Et puis, après les poursuites judiciaires, il faudra absolument qu'il y ait, réparation, des mesures de réparation. Il faudra une commission vérité, réconciliation. Et enfin, il faudra prendre les mesures qu'on appelle les garanties de non-répétition. Donc, ou l'état de siège, à défaut, l'application des mesures de justice transitionnelle.
La situation qui prévaut à l'Agence nationale de météorologie et de télédétection par satellite va de mal en pire. Les employés de cette entreprise ont pris d'assaut l'immeuble du gouvernement dans le but de faire entendre leur voix auprès du ministre des tutelles, Chérubin Okendesenga. Fatigués du comportement de leur directeur général ad intérim, ceux-ci ne jurent que pour sa suspension. Reportage. Les agents de l'Agence nationale de météorologie et de télédétection par satellite Metelsat ont assiégé l'immeuble du gouvernement pour faire entendre leur voix auprès du ministre des Transports, Voies de communication et des désenclavements. Comme dans ses habitudes, le ministre a quitté son bureau pour prendre langue avec eux. Face à la gravité de la situation, Chérubin Okende a mis autour d'une même table les deux parties, à savoir le directeur général ad intérim d'un côté et les banques syndicales de l'autre. Les agents de cet établissement du ministère des Transports ayant retiré leur confiance au directeur général AI ont présenté au ministre des tutelles en présence de ce dernier des griefs lui reprochés, parmi lesquels figurent la spoliation du terrain de la Metelsat, l'incompétence et la mégestion, une situation désastreuse que le ministre Chérubin Okende a promis de régler dans les prochaines heures. Et les agents en train de souffrir, les agents en train de mourir. Et pendant ces temps, tout cet espace-là est en train d'être vendu à des milliers. Nous avons des documents authentiques. Tout ce qu'on lui dit seulement, il ne connaît rien. On a cassé le mur du centre d'analyse où on a posé un conteneur d'un individu particulier pour faire sa terrasse. Les DG ne connaît toujours rien. Il y a un général qui a construit un mur dont le DG avait cédé pour parler du problème de redevance aéronautique. Il est là. Jusqu'à aujourd'hui, ces redevances-là n'arrivent pas. Déterminés à avoir gain de cause à leurs revendications, ces agents ne jurent que pour la suspension du DG intérimaire. Autre chose, la situation est calme dans la province de l'Équateur, contrairement aux rumeurs qui circulent faisant état des blessés lors de l'ouverture de la session de septembre en cours à l'Assemblée provinciale de l'Équateur. Le rapporteur du bureau d'âge, Clovis Elongama, éclaire la lanterne en disant que toutes ces rumeurs sont des montages de l'honorable Bouka, président sortant de cet organe délibérant qui cherche à tout prix ternir l'image du gouverneur Bobo Boloko et de cette province. On l'écoute au micro de Bob Nzamba. L'honorable Bouka, président sortant de l'Assemblée provinciale de l'Équateur, est le semeur des troubles dans la dite province. Ce dernier doit être déféré devant la justice pour ses montages grossiers destinés à ternir l'image du gouverneur Bobo Boloko. C'est ce que pense l'honorable Clovis Elongama, rapporteur du bureau d'âge de l'Assemblée provinciale de l'Équateur. Il ne se passe rien, il n'y a rien qui se passe chez nous à l'Équateur. C'est simplement l'amplification, l'exagération, le grossissement des faits pour chercher simplement à nuire, sinon à ternir l'image des marques de notre province. Le 30 septembre de cette année, c'était l'ouverture de la session ordinaire par le bureau d'âge. Il n'y a rien qui s'est passé. Le président de l'Assemblée provinciale a monté un mensonge grossier qui a touché le sommet de l'État. C'est comme ça que nous nous disons, on a affaire à un rebelle récidiviste, parce qu'il ne veut pas observer les arrêts et les décisions judiciaires. Et nous lui avons parlé de ça plusieurs fois. Il ne veut pas nous écouter. Il garde un député, à un intruit, pardon, qui a été invalidé par la Cour, par le Conseil d'État depuis le 22 mai 2019, sous arrêt REA 028. Et il continue à garder M. Loma comme député pour qu'il se partage chaque fois les butins ou les émoluments destinés à un député validé définitivement par le Conseil d'État. En dehors de ça, il a préparé une motion contre le gouverneur, ce qui est une bonne chose parce que nous, on est parlementaires, c'est le pouvoir que nous avons sur les gestionnaires. Mais malheureusement, la motion était mal orientée et quand elle a été mal orientée, cette motion a été annulée
par la Cour constitutionnelle. Bien avant ça, il y a deux collègues députés membres du bureau qui se sont sentis lésés du fait qu'ils ont été ignorés par le président. Ils sont allés se plaindre. La Cour d'appel de l'Équateur a rendu un arrêt en déféré liberté en faveur des collègues, donc en anéantissant les effets de la motion. Le président n'a pas voulu observer ça. De deux, il est venu lui-même au Conseil d'État pour chercher à ce qu'on appelle. Au niveau de l'appel, on a confirmé l'ordonnance rendue au premier degré. Et la Cour constitutionnelle a rendu l'arrêt. Il ne veut pas observer ça. En société, un crime odieux produit à Binza-Pigeon où une mère de trois enfants, ancienne de l'IFASIC, répondant au nom de Yvonne Ifété, a été tuée par son chauffeur pour hériter sa propre parcelle. Cet assassin l'a enterré dans cette même parcelle. Après enquête, c'est ce jeudi que le corps a été déterré. Les détails dans cet élément que nous propose Gisèle Etoko. Portée disparue depuis plusieurs semaines, Yvonne Ifété, mère de trois enfants résidant à Binza-Pigeon, a été retrouvée après enquête enterrée dans sa propre parcelle. C'était l'émotion et la consternation. Abouké, Mike, Azu à Timo Liboulou, à Kundié, Nakati, à Lopang, on a eu mon bon. Azu à Kundié, Nakati, à Ndam. Donc, à Kundié. Donc Yvonne est parti. Yvonne est parti, donc elle est partie. L'assassin de cette belle dame, c'est bel et bien son chauffeur qui l'a tué pour hériter de sa propre parcelle. Un homme à qui elle avait vraiment fait confiance. Et c'est après enquête que les faits ont été retracés. Le corps a été déterré. C'est un arrêt d'alimentation à l'avenue de libération numéro 16. Quand on a vu la pandémie, c'est ma bleue, j'ai vu, je suis à Tien dans mon corps. Normalement, le pandémie, le bombier est dans la chambre en maille. Après, le bina tombe, le petit délevo, quand on a vu la bande dans la classe, le petit délevo, le son va chasser dans la sac, après, il va y avoir un petit molle de musicor, il va y avoir un peu de temps. Et maintenant, on a eu la chaîne de prière, et puis, ça m'a mis là. Ces crimes odieux ne doivent pas rester impunis. En sport, le sélectionneur des Léopards Hector Cooper a convoqué 26 Léopards pour affronter la Tanzanie et le Bénin dans le cadre de la 5e et 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Autre détail dans cet élément. C'est dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 que les Léopards de la RDC affrontent dans le cadre de la 5e et 6e journée, respectivement la Tanzanie et le Bénin. Ainsi, le sélectionneur de l'équipe nationale, Hector Cooper, a convoqué 26 Léopards Cantacés. Il s'agit comme gardien de but, Kiasumwa Joël, Panzi Nzao Lionel, Lomboto Hervé. Du côté des défenseurs, Idumba Fasika Nathan, Tisserand Marcel, Djuma Chabani Wadol, Luindama Christian, Bemba Mangulu Chancel, Mukoko Amale Diemerci, Ngonda Muzinga Glody, Ntakala à Fabrice, Maswako Artir au milieu de terrain, Bastien Samuel, Kaimbe Edo, Ngoma Fabrice, Mutusami Samuel, Kakuta Gaël, Kebano Niskens comme attaquant, Akolo Ababa Shadrach, Bakambu Cédric, Ngandu Kaimbe Joël, Malango Ngita Ben, Mbokani Diemerci, Muleka Jackson, Bolassie Yala Yannick et Muzungu Shadrach. La République démocratique du Congo devra s'imposer contre la Tanzanie le 11 novembre prochain à Dar es Salaam afin d'espérer garder son destin en main. Un match qui se jouera à 14h heure locale et 16h heure de Kinshasa le 11 novembre au stade Benjamin Paka de la Tanzanie. Notez qu'avec 5 points derrière la Tanzanie et le Bénin, les Léopards seront contraints à une victoire en déplacement. Fin de cette édition du journal sur Canal Congo Télévision. Merci à tous pour votre attention soutenue. Je vous retrouve demain à la même heure et sur la même chaîne. Au revoir.